Foot, tout recommence aujourd'hui. Ça nous avait manqué, on avait hâte. On sent de la détermination des deux côtés. Hein. Et le public qui entend jouer son rôle également. La saison dernière est maintenant oubliée. Il faut tourner la page, remettre les compteurs à zéro. Enfin à zéro, plutôt à plus 3, c'est l'objectif avec une première victoire aujourd'hui. Jordi Alba. Adrien Rabiot qui vient couper cette passe. Attention, ça peut être dangereux. Dybala, la frappe. Et le ballon qui change de camp. Mackie de Jong. Ousmane Dembélé. Fils de paille. Allez, il continue. Le centre de Jordi Alba. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Adrien Rabiot. Ah, la bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Sergio Busquets. Après cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. Danilo. Piqué. De paille. Anki de Jong. Adversaire qui s'empare de ce ballon. Oh, il y a du monde sur lui. C'est anticipé par Jordi Alba qui intercepte. Mackie de Jong. Ouais, très bonne intervention défensive. Excellente intervention. Adrien Rabiot. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Et on l'a dégagé pour écarter le danger. Drapeau qui s'est levé. Hors jeu, oui. La passe a été donnée trop tôt. Il n'a pas laissé le temps de bien se replacer. Interception de Gérard Piqué. Et toujours Dybala. Dybala. Oh, le gardien puis le poteau. Excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Ah non, le ballon est perdu. Sergio Busquets. Et pour qui ce centre? Un mauvais dégagement, mal fait. Paulo Dybala. Danilo. Oh, il est passé. Ta gueule, le réflexe. Oh, magnifique. Ousmane Dembélé. Ah, et bien vu, mais mal dosé. Ça va aller jusqu'au gardien.
Ah, il avance. Il avance balle au pied. Ok, De Jong. Ousmane Dembélé. Récupération et peut-être une action dangereuse. Bonne interception, hein, ça pouvait être dangereux. Adrien Rabiot. On cherche des solutions là. Non, sans problème pour le gardien. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Adrien Rabiot. Attention à la frappe. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Attention à ce corner. Premier sur ce corner. Dybala. Voilà, ça va être intéressant. On va devoir le ralentir parce que le hors-jeu ne paraît pas évident du tout. Sergio Busquets. Le ballon qui va changer de camp. Il poursuit son action. C'est une faute. Il a mal maîtrisé son geste. La faute, bien sûr, et carton jaune. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Il prend sa chance. La reprise magnifique. Magnifique but, une reprise parfaitement exécutée. Bon, regarde ces images, on va pouvoir analyser quand même cette volée exemplaire en tout point. Le geste technique est juste parfait. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Allez, ça joue vers l'avant. Une balle d'égalisation. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. Le ralenti, cette erreur de placement dans les buts évidente. Étrange quand même. Et voilà donc à égalité un but partout. Adrien Rabiot. Ouais, un bon ballon d'attaque. Et non, dommage, ça va s'arrêter là. Ballon qui est donné en profondeur. Oh, l'occasion. Ansu Fati, et le ballon hors cadre. Hors cadre, pourquoi ne pas jouer en force? Trop fin sur ce coup. Alexandro. C'est simplement pas ce qu'il voulait faire, il a perdu le ballon, Alexandro. Oh, c'est un boulevard là, qui s'ouvre devant lui. Attention le tir. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ah ouais, les mains sur le gardien. Ah, c'est clair que pour l'instant, l'équipe au point mènerait.
Mais ça ne compte pas, il faut marquer. Et pour l'instant, il y a un vrai déficit dans le réalisme. Encore une bonne séquence de passes des Barcelonais. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Un joueur qui tarde un petit peu à revenir. Oh, il l'a mise! Oh, il l'a mise vraiment où il fallait! Au ras du poteau! On voit les images de la contre-attaque. Le gardien qui est devancé au premier poteau. Ah, ça a été quand même un but évitable. Hein. Un petit but d'avance donc. Le score est de 2 buts à 1. La passe d'Ousmane Dembélé, mais c'est récupéré par l'adversaire. Danilo récupère. Allez, il est passé face à son défenseur. Ouh, c'était extrêmement dangereux, très bonne intervention. Très bien perdu par le Barça. On a bien joué ce tacle, ça va donner une touche. L'arbitre a décompté une minute de temps additionnel seulement. Frenkie de Jong. Fils de paille. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause. Avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Début de la seconde période à l'instant même. Ballon perdu.
De paille. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Intercepté cette tentative de passe d'Adrien Rabiot. Ousmane Dembélé. Peut-être l'égalisation. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Dembélé qui a cherché le point de pénalty. Mauvais dégagement, mal fait. Il porte le ballon. Oh, c'est dangereux! Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Ansu Fati, les Blaugrana qui ont le ballon. Et bien présent sur ce centre, Bonucci. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. La frappe et l'arrêt du gardien. Sergio Busquets. Ça part bien, action dangereuse. Chercher quelqu'un avec ce centre. Ah, mauvais dégagement là, attention. Ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. On voit mal hein, comment cette équipe pourrait revenir au score si elle ne bouscule pas un petit peu plus la défense adverse. Il y a une vraie difficulté à se montrer dangereux. Le centre d'Ousmane Dembélé. Ouais, le gardien qui s'impose sur ce centre. Ansu Fati. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Oh, ballon qui est donné en profondeur. Magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Adrien Rabiot qui vient couper cette passe. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. De Jong. Cherche une solution. Ansu Fati. Ah, c'est une énorme balle d'égalisation ratée à l'instant. Il va y avoir du regret. Ah, et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Intercepté cette tentative de passe d'Adrien Rabiot. Busquets toujours, personne pour l'arrêter. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. La passe en profondeur. Oh, le gardien, c'est pas fini. Oh oui, magnifique intervention de Ter Stegen. Il a vraiment bien joué le coup, le gardien. Ouais, le corner est tiré au cœur de la surface. Premier sur ce corner. Sergio Busquets. Ansu Fati. Sergio Busquets. Fils de paille. De paille dépossédé du ballon.
Interception, Gérard Piqué. Interception. On prend sa chance. Oh, ils ont raté le KO. Ils ont raté le KO avec cette occasion. L'occasion de porter l'avance à deux unités, ça change tout. Hein. Il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire. Comunicazione di servizio, il signor Manuel Leone è pregato di mettersi in contatto con la propria famiglia. Grazie. E la voilà la frappe. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon! C'était loin d'être évident. Il a décidé de se donner les moyens d'égaliser. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah ouais, très bien pris. Eh bien fait, il élimine le défenseur. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Oh, c'est bien donné en profondeur. Allez, pourquoi pas l'égalisation ? Bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. En haut de l'air pour la défense avec ce dégagement. Allez, dans la surface, il y a du monde. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Il s'infiltre, attention. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Attention, et le but, encore un, et ils prennent un petit peu plus large. Enfin, ce but et cette petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien qui a laissé un boulevard sur le premier poteau. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Allez, le Barça, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Il porte le ballon. Il prend sa chance. Et le but ! Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On voit ces images, ce bel exploit solitaire. Face à une défense un petit peu aux abois, c'est magnifique. L'issue de ce match ne fait plus aucun doute désormais.
Ousmane Dembélé. Ah, ils perdent ce ballon. Il est en train de remonter le terrain. Chercher quelqu'un avec ce centre. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. Ouais, faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. L'arbitre décide de revenir à la faute. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé dans la surface. Le centre au second poteau. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. Oh non, mais de frapper comme ça aussi fort. Sans viser. Ça ne sert à rien. Ça presse haut, attention à ce ballon. De Jong. Et c'est un corner pour Barcelone. Ah, le corner qui est passé très au-dessus de tout le monde. Ah, la passe complètement manquée, c'est cadeau. Busquets qui poursuit. Oui, le centre peut-être. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. De Jong. Ballon perdu. De Jong. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Interception de Gérard Piqué. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah oui, la bonne passe. Oh oui, but. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Elle face à face qui a remporté. Grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion, il met à présent 4 buts à 2. On a vraiment droit à du spectacle. Ah, c'était une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Oh, il a vu son partenaire bien jouer. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Et l'équipe qui semble avoir effacé de sa mémoire son échec de la saison passée, qui en tout cas prend 3 points aujourd'hui. Ça, c'est important, c'est en cours.